tout le monde, aujourd'hui je vous amène avec moi en kayak pour découvrir une autre section de la rivière La Petite Nation, soit celle qui relie la halte routière de Duhamel jusqu'au centre touristique du lac Simon. C'est une section de 5 km qui contient des rapides R1. Suivez-moi, on va découvrir ça! OK, vous avez vu où on est parti. On est parti à partir de la roche près de la chute. Donc, j'ai vu qu'il y a une entrée plus facile que ça pour embarquer dans l'eau. Donc, si vous venez ici, passez pas pour la partie en roche. Il y a une partie en sable là, qui est juste un petit peu plus loin probablement dans le stationnement. Je l'avais pas vu au départ. Fait que ça sera dit un truc comme ça en passant. Ici, il y a du courant. Pas besoin de pagayer. OK, il a plu beaucoup dans la dernière semaine, donc je pense que la rivière est plus haute que normalement. Là, on est au début de juillet. La rivière, ça va super bien à descendre. On fait juste la laisser aller. Donc, différent de mon autre sortie que j'ai fait en kayak sur la rivière Petite Nation, où que j'ai dû pagayer tout le long. Ici, bien, il y a assez de courant pour juste la laisser aller. Hey, on a trouvé une super plage. C'est le temps de sauter à l'eau. Ouh! Bien aimé ma sortie aujourd'hui, tu te laisses aller avec le courant, tu pagailles de temps en temps, tu arrêtes sur des plages, tu te baignes, vraiment une belle sortie. OK, on est rendu finalement à la plage du centre touristique du lac Simon. C'est qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous invite à me laisser un like, je vous invite à me laisser des questions, des commentaires sous la vidéo.
vous invite à également aller voir mes réseaux sociaux Joe Explore Plein Air sur Facebook, Joe Explore sur Instagram. Sur ça, je vous dis à une prochaine aventure!